Ah d'accord. Elle dormait dessous, elle s'est retrouvée sur le sur la toiture. Oh. Oh, ça c'était du beau bug ça. Ah mais du très très beau bug. Alors on a quelques bugs qui sont vraiment vraiment particuliers. Mais là j'avoue, il y a un peu de niveau. Pas le cacher. Il y a un peu de niveau quand même. Bien, je me souviens d'un streamer de mauvaise foi qui a dit qu'une tour était ronde alors que non. Si, bien sûr que si. Si elle est ronde, elle est ronde. Vous dites des choses bizarres parfois. Ça doit être sur un autre stream, ouais, sûrement. Les villageois sont affamés. Pourtant, on a de la bouffe. Me dites pas qu'on n'a pas de nourriture, quoi. On a de quoi faire, je sais pas combien de repas. On a même encore de l'orge, alors. Par contre, j'aimerais juste être en vitesse 2, s'il vous plaît. Niveau 14 en forge. Ah! Raoul se rapproche doucement, mais sûrement, de son niveau 20. Pour qu'on puisse finir la tour ici, hein. Je rappelle qu'elle n'est pas tout à fait finie. Parce qu'il nous manque des engrenages. Et on a besoin des engrenages également pour faire des arbalètes. Donc pour le moment, bah. Voilà. Et il va peut-être falloir qu'on fasse une petite cahute ici. Pour pouvoir faire des vêtements. Parce que la cahute en question n'est pas construite. Et pour l'instant, elle est dans la tour et ça ne me convient pas. On enlèvera peut-être les tables ici pour mettre des tables de qualité. Mais bon, on fera ça quand on aura au moins fini les murailles de... Parce que là, il y a du taf à faire, hein. Est-ce que ça travaille, ça? Pourtant, ça travaille, hein. Ici, je vais enlever les cadavres ennemis. Je vais laisser les cadavres, les carcasses humaines pour l'instant. Parce que l'idée, c'est qu'on fera un petit cimetière, etc. Histoire que si on a des gens de la colonie qui meurent. Alors, on va voir si la mort par vieillesse existe. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je n'ai vu que des morts brutales en combat. Ou tué par des loups, ou tué par des cerfs, hein, ça arrive aussi. C'est moins classe, mais ça arrive. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, la double porte. Ouais, on peut laisser celui-ci pour l'instant, donc j'ai bien fait de l'enlever l'autre. Ouais, j'ai bien fait. Ce qu'il va me falloir, c'est ça me plaît pas. Et on va faire ça. Il va me falloir le chêne. Très bien. Par contre, là, on a des choses à construire, hein, même pas mal. C'est 22 h. Il est mort de cause naturelle à 32 ans avec un rocher de catapulte dans la tête. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Ouais.
Bah, on avait eu la foudre quand elle est tombée, c'était pas si rigolo que ça, hein. Ça calmait un peu quand même, hein. Donc FedEx a sa chambre ici pour dormir, c'est parfait. Je sais pas si ici je vais rehausser les murailles aussi ou pas, en fonction du couvent. J'hésite un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en gros, c'est cette l'église de la Restauration va passer ici. Donc on va décaler le clocher. On va faire une petite brasserie. Oh, ouais, on va faire quelque chose ici, une brasserie sous un auvent, enfin essayer de faire un petit déambulatoire, quelque chose d'un peu joli. Enfin, je sais pas, ou faire juste un cimetière là. Et on fera une brasserie ici avec une petite auberge. Ça pourrait le faire. Ouais, je pense que ça va sauter, ça va juste être le cimetière là qu'on va réaliser. On créera quelques tombes si jamais. On va faire comme ça. Ça sera plus simple. Plus simple et plus joli. Hey, il fabrique, hein, dulciné. Dulciné des points. Elle peut peut-être avoir le niveau 20 bientôt. On pourra peut-être enfin réaliser les engrenages. Aïe, pas cool. Tu as des pièces souterraines supplémentaires de prévu? Alors, pour l'instant, on a prévu pour la brasserie. On a prévu pour les médicaments. On a toutes ces pièces-là qui sont pour la nourriture. Alors, le problème, c'est qu'elles tiennent pas trop la température. Quand dehors on est à moins 22, ici on est à moins 4, moins 1,7, et là moins 2,5. Donc pour l'instant, là où est notre nourriture, ça va à peu près, mais on a vu que c'était toujours trop chaud, notamment en été. Mais après, en été, on arrive à avoir beaucoup de réserves. Est-ce qu'on va faire d'autres salles? Oui, je pense. Pour les vêtements, peut-être. Parce que là, si je fabrique un. On pourrait refaire une chambre ici avec l'atelier de vêtements devant. Et pourquoi pas un petit auvent là devant où on est obligé de traverser en quelque sorte le magasin. Oh, ça peut être sympa ça d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, si je vous montre ça juste en bois pour vite fait, on est avec ici. De quoi tenir un petit abri. Voilà, l'atelier du tisserand. Ou peut-être l'atelier du tisserand là-dessous, mais sur un auvent tout là-devant. Et puis là-dedans, on a une petite. Les soldats passent là-devant. Et là, on a l'étalage du marchand qui est là, en quelque sorte. Non, parce que le problème en fait, c'est que l'idée, normalement, il devrait y avoir en effet une porte de sortie, etc. Le problème étant, c'est que l'IA se dirige vers la première porte qu'il trouve. Donc, si je fais une porte, même en mettant plein de pièges, etc., ce qu'on peut essayer de faire, hein, à partir, pourquoi pas, de la passe qui est de là-bas. Et si on vient à bloquer, on peut peut-être essayer ce genre de choses. L'idée, ça serait en effet de partir de là, par exemple, parce qu'on est assez proche. On pourrait faire quelque chose pour venir ici, par exemple, et en creusant, faire tout un ensemble de passages, surtout qu'on serait sous les murailles, pourquoi pas. Mais même en blindant de pièges, etc. Déjà, il y a la possibilité que mes. Alors, on va essayer les pièges. Parce que j'ai bien envie d'essayer ça. On a des pièges. Alors, les pièges, pièges en bois. Ah, il faut des pièces mécaniques par contre. Les pièges en pieux.
On va voir. Si on arrive à avoir ce qu'il faut, on essaiera de faire un élément de piège pour le tester. Voir si ça vaut vraiment quelque chose ou si c'est d'une utilité proche de nulle. Ce qui serait dommage pour nous, mais. Mais après, ouais, les entrées-sorties, normalement, oui, il y en a forcément, forcément, notamment vers quand on est quand la tour est proche de l'eau, par exemple, pour aller chercher de l'eau dans les douves ou si, enfin, surtout si les douves sont faites par une rivière non stagnante, enfin, par de l'eau non stagnante, donc une rivière, ce genre de choses. Là, ça peut être intéressant, en effet. Voilà, ça c'est fait. Et ils ont du mal à imposer mes briques, hein. Et là, je sais pas encore si je vais mettre des merlons ou pas. Après, c'est un cimetière derrière. Peut-être pas l'intérêt à ça. J'ai encore du bois ou pas? Ouais, 400 de bois. Ça, c'est mort, ça. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Toi, je t'ai vu, toi. Toi, je t'ai vu, toi. Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Alors, raccourci de base pour ceux qui cherchent, c'est le H. Ça porte bien son nom d'ailleurs, ça va bien avec le français. Du bois mort, vous lui mettez un H sur la gueule. Et le hashtag. Tac, tac, tac. Alors là, pour l'instant, je casse pas. Après, est-ce qu'on a un accès? Ouais, on a un accès ici, mais ça fait loin quand même, hein. Pour accéder à ça. Ou alors, il faudrait faire un passage. J'ai bien envie de faire. Ouais, mais on va pas mettre des briques. On va essayer déjà de finir ça en briques pour qu'on commence à cramer les cadavres. Quand même, ça serait bien. Ça me plairait beaucoup. Je voulais regarder quelque chose parce que je me suis posé une question. Ouais, c'est bon. J'ai pas de carcasse humaine ou quoi que ce soit à découper. C'est bien de couper de l'ennemi, mais bon. Sur le principe, on n'est pas censé le faire, quoi. Voilà. Pas censé découper de l'ennemi tout de suite. Des villageois sont épuisés. Tout le monde souffre un peu du froid. Après, ouais, un petit moins 30 en extérieur, c'est quand même pas très chaud. On est d'accord. Connu mieux en termes de chaleur. Ouais, il manque des chambres dans le château pour qu'ils se répartissent bien, ça se voit. On va faire une autre chambre là-bas et là on va faire l'atelier de vêtements. Marjorie a 53 ans aujourd'hui.
Mine de rien, ça fait déjà 137 jours que la partie a commencé. Le jeu est assez complet, c'est assez agréable. Bon anniversaire, en effet, merci. Merci pour les personnages. Ah si, c'est bon, ça me plaît par contre. Et Maïté est passé 22 en cuisine. Maïté qui progresse de jour en jour. Merci Maïté. Ils sont vieux pour certains instituts, s'ils peuvent mourir de vieillesse. Je sais pas, Falseag, donc ça sera peut-être l'occasion de le voir. Pour l'instant, on est en train de faire des tests, sachant que de toute façon, le jeu va avoir des nouveautés par la suite. Ça, c'est bien. Et ça permet de voir ce genre de choses. On voit par exemple que là aussi, vous voyez, il vient de passer par ici. Donc la torche, le bras zéro qui est ici, et ça, on peut quand même passer ici, hein. Donc les passages sont pas tout à fait bloqués. Parfois, faudra faire attention à ça par la suite, je pense, du jeu. Ne pas se retrouver bloqué quand on ne le souhaite pas. Car si c'était l'escale spécialisée dans une tâche, tu ferais qu'en perdre un, tu feras risque. Oui, exactement, Falsag. Bah après, vu que des personnages arrivent régulièrement et que tu peux les recruter ou non, est-ce que ça gêne vraiment si tu les perds? Tu mets du temps à les remettre à niveau. Après, dans un premier temps, celui qui est vraiment utile, c'est le constructeur. On est bien d'accord. Par contre, je veux pas des cadavres ennemis. Ah si, je veux pas de cadavres humains, je veux que des cadavres ennemis. Ok, et je veux pas utiliser du bois, je veux du branchage et du charbon. Très bien. Après, est-ce que ça va poser problème? Voilà quoi, sans plus. Dire tendance, on s'en moque un peu quoi. Tac. Ça, je vais l'agrandir. Là. Voilà. Et ça devrait le faire. Pardon, mais en qualité, car pour certains jobs, il faut un certain. Oui, bien sûr, notamment pour la forge. Forge niveau 20, c'est sûr que faudra pas se planter quoi, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Cadavre ennemi. En carcasse. Ah, il va peut-être falloir faire. Effacer tout, et là je voudrais que des matériaux, à savoir du branchage. Pareil ici. Voilà. Et là au centre. Parce qu'on est riche. Voilà. Au moins, là, il y aura du bûcher funéraire. Moi, je vous le dis. Ce serait bien que certains persos puissent enseigner leur savoir aux autres pour éviter que ça se perde. Oui, c'est vrai que ça pourrait. Après, ça peut poser quelques problèmes en termes de code pour la programmation. C'est pas si évident que ça.
Mais dans l'idée, oui, ça pourrait se faire. Oh, ça pourrait s'envisager, oui. Ok, j'ai 800 de calcaire. On va peut-être pouvoir faire un petit peu quelques trucs. On avait fait comment? Pas comme ça, hein. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Du mural. La torche murale. Torche murale en fer. Voilà. Et on l'avait fait comme ça de l'autre côté ou pas, hein? Non, on l'avait pas fait. On l'avait fait juste là-dessous, mais. Ça a quand même un certain cachet, hein. Pas le nier. Voilà. Comme ça, on devrait pouvoir stocker. On va enlever les branchages de là, parce que bon, les branchages, ils commencent à être loin et j'en ai quand même besoin plus près que ça. Donc on va... Parce que même si j'en ai beaucoup, 500, 500 c'est pas tant que ça en branchage, hein. On utilise énormément nos branchages, donc aller les chercher devient important maintenant. Clairement. Par contre, pour la tour... La tour prend garde de la tour. Prend garde de ne pas te laisser abattre. Ok. Et même normalement, le long de la tour. Ça doit sauter. Hein. C'est pas de. Pas d'arbre auprès de la tour. Et on avait dit bannière, grande bannière murale. Voilà. Bon, on n'a clairement pas les ressources pour l'instant et ça attendra le printemps, mais au moins c'est mis en place et on pourra travailler à partir de là. Et là, on va abattre pas mal d'arbres, pas mal de choses vont se faire. Est-ce que les lingots de fer ont diminué ou pas? 94, non, ils n'ont pas trop diminué les lingots de fer pour l'instant. On a même du mal à les faire diminuer, semble-t-il. Oui, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà. D'ailleurs, elle est un peu tristoune cette tour, vous trouvez pas? Donc ce qu'on peut faire, vu que combattre là dans le coin, c'est un peu compliqué, on peut mettre des bannières. Petite bannière haute, ça fait quoi ça? Ouais, c'est sympa ça.
problème, c'est que si j'en mets dans un sens, une dans l'autre, ça va pas le faire, cette histoire. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et puis on verra bien ce que ça donne, si ça donne un peu de cachet. Tu veux y mettre des fleurs sur les tombes, peut-être, mais sur les cadavres ennemis, voilà. Les fleurs, ça tient pas l'hiver. Moins 20, les fleurs, elles aiment pas. Ah, sur les tours! Oh. Ne serait-ce pas un peu abusé des bonnes choses? Les villageois sont épuisés. Maïté. Ah, il va falloir que je fasse les chambres au-dessus parce que clairement, ça pose problème, hein. Clairement, ça pose problème. Bon, on a du branchage en grande quantité, ce qui est pas mal. Après, les cendres, de toute façon, sont emmenées sur l'extérieur, donc ça va. Ah, pour que ça soit moins tristoun, ouais. Je peux faire des petites décorations avec les éléments en acier. Je trouve que, par contre, les braseros en acier sont assez classe. Clairement. Ils sont plutôt classe, donc... on est sur du classe sur 20, quoi, quand même. Dans l'ensemble. Ah, étant de violence. C'est de la torture de PC, ça, monsieur. Hein. Par contre, j'ai plus de briques. J'utilise plus de briques. On va faire un peu de briques. Donc déjà, on va mettre une porte ici. Ça, c'est bien. Et on va commencer à faire des braseros en briques. Alors, pas celui-là, parce que celui-là est assez moche. Il faut le reconnaître. Mais on va faire... Alors, meubles. Je veux le lit. Et on va faire celui qui est en brique, qui est un petit peu plus beau. C'est pas fameux, mais voilà, on aura déjà ça. Et je veux. Alors, je vais juste remonter ça. Parce que là, on veut un petit atelier. Ah. Puis là, c'est une petite maison, donc peut-être une fenêtre, ça serait pas mal. Voilà. Et ici, on mettra l'établi. Alors, le poste de couture. Est-ce que le poste de couture fait partie des pièces d'atelier? De mémoire, non, hein. Voilà. Ah si, le poste de couture peut avoir son... Le poste de couture peut avoir le bonus de salle. Alors on va tricher peut-être un petit peu. Peut-être tricher un petit peu. Je vais voir si ça fonctionne.
va essayer quand même. On va mettre une porte là, une fenêtre. Quoi, je l'ai pas posé? Et je vais voir si ça fonctionne là derrière. On va faire la toiture.